Un film collectif, c'est bizarre. On se met ensemble, on se connaît pas, mais tout le monde, voilà, certainement à un moment pense qu'est-ce que l'autre fait, est-ce que ça donnera quelque chose de bien ensemble. On a cette crainte, au moins, et aussi cette ambition qui est un peu sentimentale. Ça dépasse un peu quand on fait un film seul, c'est pas les mêmes choses. Mais j'imagine pour tout le monde, à moins qu'on se fiche comme. Complètement de tout. Et moi, j'ai une certaine sympathie pour. Enfin, il y a certains cinéastes que j'admire beaucoup, évidemment. Surtout Chantal Akerman, oui, parce qu'elle est. Et j'aime beaucoup les films de Wong Bing aussi. Et certains de Happy Chapon, les autres, je ne connaissais pas. Ils ont fait très peu de choses, d'ailleurs. Mais j'ai envie de défendre le film comme ça, parce que. Parce qu'en effet, ça, comme je disais hier, je dis souvent, j'ai l'impression que c'est un film assez humble, assez. Voilà, l'état du monde, on pourrait faire. Imaginer d'autres cinéastes, si vous voulez dire qu'on dise un peu de mal, imaginer d'autres cinéastes commencer à faire une sélection de 6 et penser à certains. Vous voyez ce que ça donne. Cette question de distance peut être un problème. Elle a toujours été. Et dans ce sens-là, oui, moi et Chantal Akerman, peut-être c'est par hasard, mais c'est les films où il y a plus de distance. Moi, je l'ai dans tous mes films. Mais c'est mon point de vue, hein, de réalisateur ou de quelqu'un qui travaille. C'est-à-dire, moi, je prétends pas jamais pouvoir connaître l'autre. Je pense que c'est impossible. D'autant plus qu'on l'aime. Ce qui est mon cas, parce que je ne tourne pas de films. C'est pas des gens que je peux ne pas être d'accord avec les gens, certaines choses, mais je les aime beaucoup. Et le travail que je fais, c'est comme c'est des noms, ce sont pas des acteurs. C'est très dur par rapport à l'argent. Moi, par exemple, je fais avec très peu parfois, enfin souvent les derniers, parce que là, j'ai pas comme ça des producteurs. Donc on peut le faire, et en vidéo aujourd'hui, on peut vraiment le faire. Bien sûr, il y a des choses très chères. Quand on approche c'est la fin, c'est la post-production. Donc là, oui, un jeune qui a une caméra vidéo, qui essaie de réunir trois copains qui a un peu de son et qui a fait un court-métrage et tout ça, il peut le faire, hein, il peut le faire. Moi, je trouve bien cette histoire de vidéo, ça redonnait un peu comme ça. Évidemment, les gens ont pris la vidéo, je trouve un peu comme ça, mal, je pense, souvent. Une espèce de vitesse et voilà, ils vont trop vite, à mon goût, avec cet outil de vidéo, ils veulent aller plus lentement, puisque voilà, il permet de ne pas avoir des patrons, hein, une caméra comme ça, mais pas faire exactement comme les patrons de Panasonic ou Sony veulent qu'on fasse, parce que moi je pense qu'ils veulent qu'on bouge partout, encore pour voir rien, mais on peut le faire. Le problème, c'est après. Moi, je commence. Et je finis le film avec les gens, vous voyez. C'est pas que je fais les films pour eux, mais pourquoi pas. Quand je parle de quartier, de ces gens-là, je le fais avec eux et on finit par des projections avec eux dans une salle de cinéma qui est là-bas, pas loin du quartier. En ce moment, c'est très peu de monde, c'est 3 000 personnes maximum de quartier, ils sont très dispersés, mais 1 000, 1 500 des gens qui ont un rapport direct au avant-jeunesse, au film, et à ce petit film, ont vu le film. Donc là, c'est fini. Moi, j'ai pas de propriété, j'ai pas besoin de plus d'argent que pour faire les films, manger, enfin, voir un toit, tout ça. Donc ça me va, hein. Voilà, je suis pas du tout pessimiste. Moi, je crois que je peux continuer à faire des choses. Comme ça, petit film ou grand, ou des commandes parfois,
Ou pas du tout, là j'aimerais faire un film pour moi, vraiment, le lancer moi, le terminer moi avec eux. Ça m'inquiète beaucoup. Après, évidemment, quand on commence le truc festival, distributeur, achat, tout ça, c'est un monde qui me déprime un peu. Mais les distributeurs, par exemple, il est présent ici, un distributeur que je connais mal, mais qui a un catalogue que je. Voilà, de films que je défends, de certains amis, tout ça, donc que je crois fait un bon travail. C'est dommage que, par exemple, c'est pas Pierre Risse qui distribue en avant jeunesse. Dommage, oui, sûrement, oui. Mais voyez, Cannes, c'est Cannes, Venise, je sais pas quoi, il y a un type qui vient avec du fric, et voilà. Et les gens, quand il y a un film à Cannes, que ça soit moi ou Jean-Marie Straube, le film change complètement. Il est plus Straube, c'est plus moi, c'est plus le film, c'est plus des. C'est autre chose tout d'un coup. C'est quoi? C'est une possibilité d'argent, c'est franchement ça. C'est des stratégies un peu comme ça. Il y a des gens qui risquent, il y a des gens qui prennent des risques aussi, oui, il y en a. Mais en général, c'est un monde quand même détestable. Ça, il faut le dire, même Dominique serait d'accord avec moi, c'est détestable. Il faut peut-être pire à Dominique, à moi. Moi, je m'en fiche royalement. Enfin, je les déteste, certains. Voilà, mon expérience à Cannes n'était pas pour ça. Ça, on était ensemble, c'était une petite chose. Mais pour l'autre, c'était franchement. Bon, j'étais entouré de mes acteurs capverdiens. Comme ils disent, on a été manger chez les riches. C'était très marrant parce qu'on passait les journées, moi je les suivais, et ils passaient les journées à parler avec les femmes de ménage de Majestic, qui sont capverdiennes, toutes cousines de Ventura et des autres. Au moment qu'il a mis le pied à Cannes, il y a un truc. Ventura, c'était un cousin. Tu balayais là, Nice. Il y a énormément de capverdiens à Nice. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais là? Je suis dans un film à Cannes. Ah bon? Aucune importance entre eux. Hein. Moi, par exemple, je voulais faire un film militant pour la première fois. J'ai pas réussi, mais bon. Vraiment politique et militant. Il a été fait très vite, donc je pensais, comme ça va être très vite, je vais pas avoir le temps de justement travailler, comme vous disiez. Et donc, on va travailler comme on peut pour faire cette chose. On est payé. Voilà, et moi, je voulais faire ça. Bon, si c'est bien, tant mieux. Mais ça me sert et ça sert notre travail qu'on fait là-bas, qui dépasse. Déjà, ça dépasse un peu les films aussi, ou l'art, comme ça. C'est autre chose. Et il y a une chose intéressante, là, vous disiez qu'il n'y avait pas de. Effectivement, il y a peut-être le seul film qui est un peu localisé, c'est le film brésilien. Peut-être, et même. Que parce que les autres, voyez, le mien, il se passe nulle part. Je dis ça parce que l'autre film que j'ai fait, qui est ici d'ailleurs, en avant-jeunesse, et d'autres films que j'ai fait avant dans ce quartier avec ces gens, il y avait le quartier, il y avait le sol, il y avait un espace désigné. Là, non. Ce film, je l'ai filmé parce qu'ils étaient. Parce qu'on n'a plus de décor, si vous voulez. Parce qu'ils ne voulaient plus tourner où j'ai tourné en avant-jeunesse, qui sont des HLM. Donc, quand on a eu cette commande, c'était assez drôle, parce qu'ils m'ont dit, bah, on y va, on va faire un film, où on va raconter un truc, c'était l'expulsion de ce garçon, mais pas ici. On ne veut pas le tourner ici. Pas plus tourner dans les maisons blanches et dans les couloirs et tout ça. On va ailleurs. Donc où est-ce qu'on va aller? Parce que moi j'ai pas beaucoup d'idées comme ça. Et on a pris tout et tout et rien vraiment. C'est une petite caméra, le pied. Et on a traversé l'autoroute et on s'est mis dans un espace qui est ça, qui est trois arbres, un rocher, qui est juste en face du quartier d'ailleurs. Et qui
qui est un terrain vague. Ça pour dire que, et ça c'est lié à ce que vous disiez, c'est que ça rejoint un peu, oui, cet état des êtres humains dans le monde. Où, c'est que pour moi, pour mon film, pour les gens que je connais, avec qui je travaille, une grande partie de mon pays, on n'a plus de place. C'était ça aussi, c'est eux qui ont trouvé ce scénario, cette idée de scénario de film. C'est qu'il fallait faire un film comme, voilà, ils traversent cette espèce de bois, de sous-bois enchanté, cette chose un peu comme ça, onirique, un peu, voilà. Et en effet, tout le temps, on parle de l'enfer. On pense à l'enfer, on pense à la déportation, à l'expulsion, au non-pays, à non-patrie, à non-lieu, à la mort. Ça, c'est le cas de mon film. Film de chantage, quoi qu'il n'est pas loin de ça non plus. Enfin, d'un avenir assez sombre, oui. Mais en même temps, enfin, moi, je trouve qu'on peut trouver une certaine vigueur là-dedans. Pour nous, pour le travail, pour la pensée.